Eh bien, salut à tous, c'est Akira et on se retrouve sur Call of Duty Mobile et pour donc le mode Battle Royale. Donc on l'a pas fait hier et on va le faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc on va se mettre toujours la première personne et on va essayer d'avoir une team complète. Voilà la team, donc tout le monde est connecté. Normalement, ça devrait aller. On va pouvoir se connecter au serveur. Il y a 2 jours de ça, je crois que c'était le week-end, j'y arrivais pas. Alors, est-ce que les serveurs étaient pleins ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, là, ça a marché. Hop. Donc là, comme dans tous les Battle Royale, on attend que tout le monde soit arrivé. Et une fois qu'il y aura les 100 players, le match commencera. Donc, comme tous les Battle Royale, bien sûr, la carte se diminue au fur et à mesure. Vous allez voir. Après, elle est chouette, la carte. Moi, j'aime bien. Il y a pas mal d'environnement. Et donc, on est 3 dans l'équipe. Voilà, on est 3. Lui, il est dans mon équipe, il galope, il court, je sais pas où il va. Il s'amuse. Hop, voilà. Et comme dans tous les Battle Royale, je vais pas réussir à le dire, il y a aussi des véhicules que l'on peut prendre. Voilà. Bon, ça y est, ça débute dans 30 secondes. En espérant que j'arrive loin. J'ai déjà gagné. 2 fois depuis que j'ai téléchargé le jeu. J'ai fini premier 2 fois. Après, en général, j'arrive dans le carré final. Donc, voilà, ça devrait être une vidéo pas non plus énormément longue, mais si j'arrive jusqu'au bout, ouais, on verra. Allez, c'est parti. Donc là, la mission commence. On va pouvoir se faire larguer sur la map. Bon, moi j'aime bien commencer d'habitude au centre de la map. Je ne sais pas ce que les coéquipiers vont faire, mais je vais aller débarquer par là. Merde, j'ai sauté. J'ai sauté sans le vouloir, mais j'ai sauté avec mes coéquipiers. On va essayer de s'éloigner quand même parce que j'aime pas trop. Il y a un groupe de. Ils ont l'air d'être plusieurs. Alors maintenant que j'ai atterri. Merde, la porte est fermée. Hop, on trouve une porte, on rentre dans un domicile. Le but c'est de récupérer un maximum d'armes. Enfin, de munitions et d'armes. Voilà. Je vais monter un peu le son. Mais le problème, c'est que si je monte le son du jeu, on m'entendra pas très bien. Alors, tous mes coéquipiers sont là. On est tous là. Ok. Et moi, je me fais un point de repère. Je vais rejoindre le milieu de la map, je pense. Hop là, ça tire derrière moi. Ah, il l'a eu. Bien joué, mon ami. Hop. Après, vous avez ceci qui permet de monter en grappin ou de descendre. Ça permet d'aller plus vite. Donc là, moi, je vais les laisser. Je vais rejoindre ouais, le centre parce qu'après la map, elle va diminuer. Hop là, il y a quelqu'un qui shoote mon pote en bas. Non. Je le vois pas. Ah, il est dedans, sûrement. Il est là. Ah, il est mort. Il y en a un autre. Il y en a un autre. C'est pas fini, les gars.
Bon, eux, ils étaient deux. Ça y est, la zone va diminuer normalement. Donc on va rejoindre tranquillement la zone. Pour le moment, j'ai tué personne. Je l'ai juste aidé à le tuer. Hop. Mais ouais, je joue pas très bien là. Je sais pas ce qui m'arrive. J'entends que ça tire quelque part. Alors, où est-ce que ça tire? Là, il y a une ferme. Est-ce que c'est dans la ferme que ça tire? Je sais pas. Ouais, il doit y avoir quelqu'un là. Et je vais avancer avec mes potes. Au fur et à mesure, on va avancer. Ça tire là-bas. Oh là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a un gros monstre qui vient d'apparaître là-bas. C'est la première fois que je vois ça. Alors parfois on peut rencontrer des zombies aussi qui nous attaquent. C'est vrai. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pour Halloween. Putain, il est énorme. Et en plus, il vient par ici. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça y est, ils l'ont tué. Non, ils l'ont pas tué. C'est presque mort le truc. C'est un genre de boss. Ça y est, il est crevé. Ouais, les gars, si vous voulez vous régénérer, restez avec moi. Putain, cette arme, elle n'est pas stable. Faudrait que j'aille me récupérer des munitions, moi. Je vais faire les maisons, les gars. Et je pense que je vous rejoins après. Il y a un véhicule. Ouais, il a trouvé un véhicule, l'autre. Moi, je vais continuer à pied. Putain, j'ai tué personne encore. C'est fou, ça. Ça shoot par là-bas. Pour le moment, je joue les profiteurs, moi, en fait. J'attends que tout le monde se fasse tuer et puis j'arrive, je récupère les marchandises. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est où le 3 là? Viens là, que je te soigne. Reste là. Bon, mais tant pis pour lui. Il y en a une qui marche là.
l'a buté. On l'a buté. Allez, continuons. On est toujours dans une petite ferme. Il y a pas mal d'endroits pour se planquer. Je vais chercher des munitions tranquillement. Une grenade, un gilet. Hop. Ça tire par là-bas. Ça y est, ils l'ont descendu. Je rejoins dans le 4. Mon pote Mustafako. C'est par là. Parce que le rond va se réduire, je suppose. J'entends tirer un peu partout. Je sais pas où c'est. Je le vois pas apparaître dans la carte. D'habitude, on le voit. C'est que ça doit pas être à côté. Là, je suis un peu tout seul, loin du groupe. D'ici, j'ai une bonne vue quand même pour voir l'ensemble du truc. Je vois mes coéquipiers là-bas. Pas l'air d'avoir d'ennemis. Donc, on y va. Un genre de zone industrielle. On va courir. J'entends que ça shoote bien par là-bas. Je vais passer par derrière. Là-bas, il y a quelqu'un. Laissez-en moi, les gars. Laissez-moi le tuer. Ah, enfin, j'en ai tué un. C'était long, mais je l'ai eu. Enfin, j'ai eu mon premier. Putain, ça shoot de partout. On va prendre de la hauteur. On va prendre un peu de hauteur. Et hop. Passer sur le toit. Okay, j'ai subi des tirs. Je vais me soigner. Le rond va se rétrécir et on est plus que 14, donc ouais. Nous on est 4 dans l'équipe, donc il n'y a plus que 10 ennemis. 10 ennemis à éliminer.
On va continuer notre périple vers là-bas. Je vois un largage un peu plus loin d'un parachute. Donc, ah, il y a quelqu'un qui marche là sur le côté. Il y a un ennemi quelque part, il doit être au-dessus, je pense. Il doit être au-dessus, je vois qu'il y a encore les pas de noter. Il est derrière. Je sais pas où il est. Se barrer d'ici. Je sais pas si je peux monter par là, je peux pas. Putain, par où on va partir? Par là. Moi, je fais le tour. Je vais rejoindre mon équipe qui est là-bas. Ça shoot, il y a du monde. Putain, ils l'ont descendu. Il n'y a plus que 5. Donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Le type, il est tout seul, quoi. On peut prendre l'hélico, mais la carte elle est petite. Là, il va falloir bien repérer les traces de pas rouges sur la map pour savoir où il est l'autre, sauf s'il bouge pas. Ah bah ça y est, je l'ai repéré. Il est dans le champ de lavande. Putain, je l'ai pas eu. Ça y est, je l'ai eu. C'est moi qui ai eu le shoot final. Et ben voilà, l'équipe est vainqueur. On est tous en plus au complet. Il n'y a pas eu un mort. Donc ouais, on a bien joué là, c'était la classe. Même si j'ai pas fait beaucoup de kills. Bon après c'est un match d'équipe, donc du coup le but c'est pas d'en faire beaucoup, c'est de survivre jusqu'au bout. L'autre il a fait 11 éliminations à lui tout seul, il est trop fort. Non, on avait une équipe pas trop mal finalement, on avait... On a bien joué les gars. Et en plus, j'évolue à novice niveau 3. Voilà, voilà. Pour cette vidéo sur Call of. Hop, là, je récupère niveau supérieur, les points d'expérience, etc. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo. Et puis, j'en referai sur ce jeu parce que c'est pas mal. Voilà, je vous dis à plus, et surtout, jouez bien, salut!